Au cœur des Balkans, cette réalisation a pour objet le remplacement d'une ancienne canalisation en amiante-ciment datant de 1970 par une nouvelle canalisation en fonte ductile. Ces nouveaux équipements vont ainsi permettre de diviser par deux les pertes d'eau sur le réseau. Cofinancé par le Fonds européen de développement, le Fonds de cohésion et un financement national, l'objectif général du projet est d'améliorer les infrastructures d'eau potable dans la zone urbaine de Vratsa. Les canalisations utilisées ont été développées spécialement pour répondre aux contraintes des zones accidentées et montagneuses et sont donc particulièrement adaptées à cette région. En effet, le projet d'une envergure de 32,4 km de DN 800 et 1000 relie les villes de Srechenska et Vratsa, basées dans le parc naturel de Vrachansky, en pleine région montagneuse. Ce grand projet a mobilisé une équipe agile, aussi bien du côté de Saint-Gobain-Pam que chez nos clients HTI et TES. Grâce à sa réactivité, l'équipe projet a su s'adapter afin de répondre aux délais d'exécution très courts ainsi qu'au contexte sanitaire incertain. Ce projet, d'une envergure inédite pour PAM dans les Balkans, représente un véritable concentré d'innovation et un challenge à relever. La mise en œuvre d'une logistique innovante a permis de combiner différents modes de transport, comme le transport fluvial et terrestre. L'utilisation du télescopage a rendu possible la réduction de notre impact environnemental en modérant significativement nos émissions de CO2. This Vratsa project is a part of a major investment program for this large region for the transportation of drinking water and wastewater. We chose PAM for its reputation, but also for this product, which perfectly met the commercial and the technical requirements of this project. This contract went perfectly, both from the point of view of delivery times and from the point of view of product quality. A dedicated team accompanied us throughout this project, and PAM provided training for all the installation teams on site in Bulgaria. For HTI, this contract is successful, and it once again proves our excellent partnership with PAM. Chargé depuis le port de Frouard ou de Toul, les péniches ont navigué sur la Moselle, le Rhin, le Main et enfin le Danube jusqu'à la ville de Lom, à la frontière roumano-bulgare. Elles ont traversé les villes de Trèves, Koblenz, Francfort-sur-le-Main, Nuremberg, Linz, Vienne, Budapest, Belgrade. There has been 5 years' work behind the scenes to convince our customers of the technical advantages that PAM pipelines had and all the support we were able to provide to this project. The ZMU coating of the pipes was particularly suited to the largely rocky soils of this mountain area. Our pipe locking systems were also an indisputable asset in winning this project. This project is the largest project carried out by PAM in the Balkans, the largest project in ZMU pipe coating and universal VE locking system. It will long remain a commercial reference for all the countries of Eastern Europe. In addition to this, it is also important to highlight the fact that PAM improved the CO2 emissions by using an innovative transport method with river transport by barge from Lorraine to Bulgaria and with no budget increase for our customer. La crise sanitaire et le confinement ont été des freins majeurs à la formation des équipes sur place. Saint-Gobain PAM a su mettre en place des moyens digitaux, vidéo, visioconférences et photos pour permettre aux équipes de TES de poser le matériel en toute sécurité. Ce chantier a été un réel défi pour les équipes de Saint-Gobain PAM qui ont su mettre en œuvre des solutions innovantes. Pour l'usine de Toul, ce projet bulgare de plus de 3000 tuyaux est la plus grosse affaire que nous ayons eu à réaliser jusqu'à présent. Elle a représenté un véritable challenge, en ce sens où, pour respecter des délais très courts, il a fallu mettre en place une organisation inhabituelle avec une marche en VSD, c'est-à-dire 7 jours sur 7, et d'autre part, faire preuve d'agilité pour garder une marche technique élevée et une qualité irréprochable tout au long des 9 mois de l'affaire. Grâce à un travail d'équipe entre les différents services de l'usine et les différents acteurs de projet, aujourd'hui, ce challenge est relevé. Des produits issus de nos différentes usines européennes, françaises, PAM,
Toul, Fougue et Blénau, britanniques, Ilkeston et allemandes, Brebach, ont ainsi été livrées tout au long du projet. La gamme de tuyaux spécifiques choisis, alliant robustesse et forte résistance mécanique, va améliorer l'accès à l'eau potable pour des milliers de personnes, le tout en respectant l'environnement au moyen d'une pose rustique, sans apport de matériaux extérieurs. Une belle réussite pour les équipes engagées dans ce projet et présentes aux côtés de nos clients.